Israël pose ses conditions avant de restituer à la Turquie les bateaux de la flottille terroriste. L'État hébreu a en effet réclamé à la Turquie des engagements écrits selon lesquels les trois bateaux turcs, parmi lesquels le Mavi Marmara, ne seraient plus utilisés pour rompre le blocus imposé sur la bande de Gaza. En échange de cet engagement, Israël serait prêt à restituer les bateaux qui ancrent dans le port d'Ashdod depuis début juin. De son côté, la Turquie continue d'affirmer que tant qu'Israël ne se pliera pas à ses exigences et n'acceptera pas de collaborer avec une commission d'enquête menée par les Nations Unies, les relations diplomatiques entre les deux pays ne s'apaiseront pas.